imitation youtubeuse. Oui, et l'accent tag. Et l'accent tag. Donc je vous retrouve avec Emily de Jekking Beauty. C'est ça, hein, je dis pas de bêtises. J'ai toujours peur de me tromper dans ton pseudo. Et donc on a mélangé, j'ai mis dans un sucrier. Donc voilà les petits papiers. Voilà, donc on va faire chacun notre tour. On va pas compter les points. Hein. On s'en fout, non, on s'en fout. Donc vas-y, pioche. Non, c'est moi qui commence. Oui, allez. T'es l'invité. Non mais en plus je te dis, je sais pas comment on va. Non, mais au pire tu changes. C'est quoi t'as? Non, fais pas comme ça, mais... Coucou les Bella, donc j'étais avec Fanfan. C'est Missy Couette. C'est son truc, je sais pas ce qu'elle fait en fait à part... Oui, parce qu'elle fait beaucoup de choses différentes, alors ouais. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Mais en plus, moi, je retiens pas forcément ce que les enfants. Ouais, non, mais moi, je suis un peu pareil, donc ça risque d'être un petit peu folklore. Alors. Donc. Tu l'as rendu? Attends. Ah, non, je te connais pas, je mets là de côté. Attends. Je réfléchis. Salut le gadji, aujourd'hui je vais aller chercher du pain et du vin. C'est vrai que c'est un paysan? Putain, c'est du. Ce qui. Il va être content. Ça fait assez campagnard quand même. Putain, con. Non, putain, con, c'est à Toulouse. C'est dans. Non, ça se dit aussi là-bas. Le pain, le vin, le brin. Le sud-est, toi. Vas-y. I'm happy. Comme déjà j'en prends trois dessus. Mais qu'est-ce que tu fais? Alors aujourd'hui je vais vous présenter une maquillage Rachel Martino. Voilà. Alors les accents ne vous offensez pas parce que... Je vois même plus avoir de gloss, moi j'ai mis tout à l'heure mais c'est pas grave. Ne vous offensez pas si on est mal, si on accentue un peu trop parce qu'on n'est pas forcément de bonnes imitatrices. Tout à fait. De belles scènes. Et puis bon, c'est des gens qu'on apprécie donc on n'est pas là pour se moquer quoi. Évidemment, si on a mis surtout les youtubeurs, c'est qu'on les apprécie. Voilà. Oh non. Mais pareil, je l'apprécie, mais je sais pas. Comment elle fait? Bonjour tout le monde, aujourd'hui on vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera un tutoriel effets spéciaux. Et donc, allez les Warriors. Oui, c'est ça. Je sais pas là, mais. C'est ça, plus tout à l'heure, on l'a entendu et je sais plus. Bah, bref, voilà. Elle parle aussi vite que ça. Ouais, il me semble qu'elle parle vite. Hein. Je sais pas. Pourtant, je la regarde, mais bon, bah. On voit dans l'énergie, c'est complètement mal. Salut, bande de morues. Salut, bande de nems. Alors, aujourd'hui, on va voir décrypter une vidéo sur les ballons. Alors, c'est What the Cut. Antoine Daniel. T'as pas osé être cru comme l'air en fait. Ouais, ça bande de morue mal salée ou je sais pas quoi. J'avais pas la fin qui me venait. C'est une bande de morue ou de dégénéré du slip, de je sais pas quoi. Mais il est vachement dans l'énergie. Enfin, oui, il va tellement vite. Lui par contre c'est pas un oui, truc. Quand il fait son début comme ça, son intro. Moi j'adore. Bon après ça plaît pas, c'est pas forcément tout le monde va y aller. C'est du second degré, c'est vraiment cool. Quoi. Ouais. Donc après, il faudra que je pense à mettre ton barre d'infos. Ouais, de toute façon, tout sera en barre d'infos. Alors. Voyons. Ah! C'est facile, là. Salut les coquettes! Aujourd'hui, je vous retrouve pour... Coquettes! Voilà, c'est Daisy. Facile. Bonjour. J'aurais voulu te mettre ça. Alors, je vais présenter la Glambox. Alors, qu'est-ce que la Miche a mis? Voilà. Qu'est-ce que la Miche a mis dans la Glambox?
Et il y a Neo aussi qui est devant sa dernière vidéo. Je l'ai pas vu la dernière vidéo, désolée. Mais je l'ai pas vu. Tu la regarderas bientôt. Ouais. Alors attends. Attends. Ah, c'est pas évident. Il y en a un que j'aurais voulu mettre et que j'ai pas mis. C'est la bisou. Je connais pas. Tu connais pas la bisou. C'est un drag queen. Mais j'adore. Bon, je l'adore. Hein, s'il passe par là, je te fais des bisous. Bonjour. Donc, attends, parce que. Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Hein. Alors, je précise, ça n'a rien à voir. C'est. Voilà. Bref, vous allez comprendre à la fin. Alors, attends. C'est horrible, comme ça, tu laisses galérer un peu d'abord. Après avoir fait penser. Mais oui, mais je sais pas. Oui, mais que ça t'a fait penser à lui. C'est Raphaël. Oui. Raphaël. Non, mais c'est parce qu'ils ont le même sexe. Mais oui, c'est un drag queen, mais à la base, c'est un Valentoni et c'est un mec, quoi. Donc, et vu qu'il n'y a pas beaucoup de mecs sur YouTube, ben ça m'a fait. Je sais pas. Adam Co, alors oui. J'y ai pensé, mais je savais pas comment faire. Il est vachement posé. Oui, mais j'aurais pas su. Et je crois que même tu me l'aurais fait ou je l'aurais fait. Je sais pas si on aurait pu trouver. Quoi. Ok, parfait. Bref. Un retour. Salut les filles et les garçons. Alors aujourd'hui, je suis désolée, ça fait genre 30 000 ans que je n'ai pas filmé ça. C'est le bordel. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter donc, mes nouvelles Nike. J'en suis totalement fan. Mais elle a une voix trop douce par rapport à moi. Salut les filles et les garçons. Salut les filles et les garçons. Je ne vois pas. Attends, j'essaie de rire. Karine ? Non. C'est pas Karine. Je sais pas. C'est une ma langue gauche. C'est parce que j'ai vu la dernière vidéo d'Esther, donc... Alors non, des enfants, non, mais pas du tout. Bien chez les autres et encore pas tout. Ah mais oui, mais putain je suis con, c'est Hélène. Les garçons. Mais oui, qui c'est qui dit salut les filles et les garçons. Ça c'est Hélène. Bref, pourtant je le sais quoi, il y a quelle qui fait ça. Oh non, pourquoi je me tape les plus dures en fait. Attends, comment putain. Est-ce qu'il y a le chien? Bonjour tout le monde, aujourd'hui je reviens pour un nouveau tutoriel coiffure. Je sais pas comment l'imiter. Qui c'est qui fait des tutoriels coiffure? Mais oui. Ah ouais, je sais pas comment. Tu moi, j'aurais fait comment toi? Moi j'aurais imité quand elle fait Babette la licorne. Parce qu'elle est sur le projet Unicorn. Ouais. Et elle fait Babette. Mais je ne saurais pas comment le faire, je pensais faire ça, mais je sais maintenant avec le recul, je ne sais pas comment le faire. Mais c'est dur à l'imiter parce que bon, elle fait rien de. Quand elle se présente, elle fait rien de. Non, c'est sort du commun. Bon, bah, je prends un phare bleu de chez Urban Decay, mais bon, vous pouvez prendre n'importe quoi où j'ai acheté. Non, j'aurais pas su. Hein. Honnêtement, j'aurais pas su. Quand tu penses au tutoriel coiffure, je pense à elle ou Morissette ou. Voilà. Je pense à Marie. Oui. Ou elle passe. Ouais, mais Marie, elle parle pas. C'est la vidéo. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai pas mis pour ça. Alors, ça y est, j'ai tiré. Coucou. Alors, je suis super contente de vous retrouver. Pika Pikachu. C'est ça qui est bon. Voilà. Mais en c'est tout. Oui. Mais des fois, elle fait des moments. J'aime bien qu'elle fait des moments de doute, là. Bon, bref. Ça te perd sur le cas. Le carré? Oui. Non, mais non, là, je peux pas le refaire, celui-là. Ouais, on a dit qu'on en ferait qu'un. Alors, ah oui, j'explique. Non, c'est l'accent du sud-ouest. Et on avait dit qu'on ferait l'accent du sud-est ou du sud-ouest. Sachant qu'on est dans le sud-ouest, déjà. Ça se ressemble. Donc, du coup, on a dit l'accent du sud. Donc, je pioche un autre, du coup. Je sais pas l'imiter. Voilà. Attends.
Salut les filles et les garçons, je sais pas celle-ci. Vas-y, continue. Salut les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve. Ouais. Parce qu'elle touche ses mais cheveux. Mais oui, elle touche ses cheveux. Elle est trop mignonne, Karen en plus. Et j'aurais aimé l'imiter avec sa petite bouche toujours pulpeuse, tu sais, elle a toujours du gloss. Je veux pas tout mettre. Non, mais elle a du gloss toujours. Ouais, elle est toute mignonne. Ça me plaît toujours aux ailes. Oui, elle est toute mignonne et. J'aurais pu parler de Etude House parce qu'elle a plein de petits bouts. Oui, Etude House, ça, c'est trop mignon. J'adore, j'aime les crèmes. Oui, je voulais remettre. C'est trop mignon, oui. Vas-y, à toi. Oh. Moi, je vais dire un mot. Ça va, non, en fait. L'imitation. Donc, j'arrive à la décrypter. Non, mais un mot. Vodka. Sans accent. Ah, c'est les Russes. Voilà. J'ai même regardé une vidéo l'accent comme ça, mais je sais pas du tout. Je sais pas, l'accent russe. Parce que la seule vidéo que j'ai regardée, c'était limite une imitation. Astrovia. Voilà. Vodka. Alors. Ah, ok. Oh putain, ça va être trop dur. Je rigole d'avance parce que. Attends. Ça que va, Dieu, qui c'est qui allait chercher les vaches là? Mais ça, c'est paysan. Oh putain. Moi aussi. L'accent du sud-ouest, c'est un accent du sud-ouest. Mais oui, l'accent paysan. En fait, au départ, je voulais faire accent franc-comtois, mais bon, tu connais pas forcément. Donc, je dis accent paysan, ça m'englobe. Ah, parce que pour toi, la Franche-Comté, c'est. C'est les paysans, c'est ouais. Ce que tu veux dire? Non, pas forcément, mais une bonne partie. Les associations d'attachantes. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de paysans. Si tu veux, t'as une région. La région. Je sais même plus. La région. T'as Besançon, tout ça, c'est le Doubs. Et merde, Fabrice, Vesoul, c'est quoi? La Haute-Saône. La Haute-Saône, c'est. Les paysans. Mais c'est l'accent de là-bas. Mais c'est toi. Marc et. Tout si on se trouve la l'accent italien. Voilà. Juste le main et les gestes. Alors, la nouvelle scène. Ça y est, c'est facile ça. Bonjour les myopes et les moins myopes. Marie la myope. Voilà. En plus avec les lunettes, c'est. Voilà, moi avec les lunettes, c'est parfait. Je suis myope aussi. Ça tombe bien. Je sais pas le faire. Ah oui, non, mais ils ont pas de. Parce que oui, j'ai un accent quand même assez prononcé. Bonjour, j'ai un accent. Bonjour, alors je voudrais un pain au chocolat. Et voilà. Non, mais t'as un accent normal. Ben non, mais c'est justement, c'est pas. En fait, c'est. J'en sais rien comment on le fait. Il fait froid. Moi, je dis, donne la langue au chat direct. L'accent du Nord, voilà. Mais oui, parce que moi l'accent du Nord, je t'ai dit, je sais pas ce que c'est. Mais tu fais l'accent belge ou l'accent. Ouais, pour moi l'accent belge, c'est pas forcément l'accent. Ouais. Non, mais je sais. Mais en fait, j'ai voulu prendre genre. J'aurais dû prendre un les Belges, je vois ça. Parce que j'ai voulu faire genre les Parisiens, je trouve qu'ils ont pas d'accent. C'est vraiment pas d'accent. Non, mais la plupart ils ont pas trop d'accent. Sinon, mais c'est un accent un peu hôtel. Ouais. Ils sont mais pas forcément hôtel. C'est pas le Nord-Nord. Moi, quand je pense au Nord, je pense au Nord, quoi. Au Nord. Ah ouais, moi quand je pense au Nord, c'est au-dessus de Bordeaux, donc moi. Voilà. Moi, c'est pas assez. Fallait me dire. Fallait me parler de Dunkerque, ou j'en sais rien. Ah, moi, c'est l'accent des ch'tis. Des ch'tis, voilà, tu le comprends. Je sais pas le faire non plus. Des ch'tis à Ibiza. Attends. Oh. Attends. Alors là. Attends, je réfléchis. Ils parlent beaucoup avec leur bras, quoi. Ouais, mais fan, c'est que. Oui, oui, mais je sais pas parler allemand, moi, je sais pas. Bah, tu dis. La baignade est-elle interdite aux enfants? Voilà, mais en plus, je le savais quand j'ai dit ça. Non, mais je sais. Alors, je suis pas du tout. Oulala. Oui, mais moi, quand je pense à l'Allemagne, je suis désolée. Hein. Je pense au nazisme, quoi. Je suis désolée, mais c'est la première chose qui vient. Le remake de la pub Opel Meriva.
Oui, open, mais Riva. Mais je te dis tout à l'heure, quand j'ai fait les... Enfin, ce matin, quand j'ai fait les papiers, je savais, tu vois, j'avais mis dans la tête. Et là, face à la caméra, je ne sais plus parler allemand. Enfin, je ne sais pas parler allemand. J'ai jamais fait des... Opel Meriva. Opel Meriva. Volkswagen. Voilà, das Auto. Alors. Je ne sais pas s'il faut pas que le garder en allemand. Ça ne le fait pas trop. Sinon, on me coupe dessus de l'accent allemand. Voilà, carrément obligé. Alors, bref. Faux. Normal. Sergi aussi. Oui, enfin, Sergi. Ah non, et il a fait sa blague là, sur les cigarettes électroniques. J'ai pas vu. Le cancer là, il dit, est-ce qu'on peut attraper le cancer électronique avec une cigarette électronique? Je pense que je peux attraper bien autre chose. Ouais. Oula. Ah, mais tu la connais pas. C'est si, si. Oui. Salut les pépères. Coucou toi. C'est pas grave. Mais non, mais il y a tellement de gens sur YouTube. Mais oui, mais bien sûr, tu veux pas connaître tout le monde. Toi, t'as sûrement des personnes que tu connais que moi je connais pas. Donc, forcément. Déjà, j'en ai chopé deux. Mais voilà, bah, pour moi, il a le même accent que l'Arthurien, tu vois. Qu'est-ce que tu fais? C'est... Attends, il fait un truc. Ça, comme ça. Tu vois, moi, c'est le synonyme de... Ah, ça, c'est... Bah, moi, je mime. Mais l'autre jour, il y avait dans Tellement Vrai un gars qui parlait. Dans Tellement Vrai, ils ont... Il y en avait un d'Alsacien avec son restaurant, là. Mais c'est pas possible! Mais je veux que c'est le même accent. C'est pour ça que j'ai dit, pour moi, c'est le même accent que... C'est pas possible! Mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Il y a plein de gens, voir Delphine dans votre Passion 54, elle est de la... Non, elle est pas de la sienne du tout, elle est de la Lorraine. Non mais pour moi, je sais pas, ça part, je connais pas trop. Mais je connais plus l'Alsace, on va dire, parce que c'était pas loin de chez nous. Pourtant l'Allemagne, c'est pareil quoi, je veux dire, c'est à côté, l'accent il se ressemble vachement. Non, je t'ai vu avec la... Mais c'est pas possible, tu te fous de ma gueule ou quoi? Je suis con, tu vois, j'inverse. Ça tu vas reconnaître. Bla bla, truc de fille, des amis, fifutile et rock'n'roll. Ouais. Ah, c'est bien. Ouais. On a fait bien. Déjà que je me suis chopé déjà un truc similaire. Vous savez où je peux prendre le thé? L'anglais. Ouais. C'est mal, ça va. Tout à géré l'anglais. Pas comme moi, mais en plus, à côté, le truc à l'assiette, c'était exactement pareil. Mais c'est ça, mais je suis trop con. En plus, t'as trouvé le truc le plus cliché derrière. Ça fait une bourde avec Raphaël en disant: oh putain, j'aurais dû mettre là parce que ça me rate. Plus ou moins un accent. Oui. Et pour les filles en fait qu'on a imité. Ou les hommes toutes quoi. Ouais, les hommes toutes, mais avec plus ou moins de succès. Ouais, ouais, voilà. Mais voilà, mais après je trouve que c'est assez compliqué au niveau. Parce que. Sauf si on fait des choses des très distinctives. Voilà, des choses comme les madonnées qui font. Bonjour. C'est que je veux dire. Bonjour. Voilà, mais après, c'est vrai que c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Oui. Ouais. Non, mais voilà. Et puis, bon, on n'est pas des gens, de toute façon, qui se moquent. Voilà, donc il n'y a pas de raison que les gens le prennent mal. Quoi. Ouais, je ne vais pas s'offenser. Tout à fait. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je ne sais pas combien qu'elle fait, mais je pense qu'elle est assez longue. Et donc, on vous fait des bisous et on vous dit à bientôt. Bye bye.